sa conduite en matière de mariage et de vie conjugale. Il disait: Allah m'a fait aimer trois choses de votre bas monde, les femmes et le parfum, et la fraîcheur de mes yeux se trouve dans la prière. Il partageait chaque jour entre ses épouses, que ce soit dans le logement et les dépenses. Aïcha disait: lorsqu'il voulait partir en voyage, il tirait au sort entre ses épouses. Celles qui sortaient partaient avec lui, et il n'accordait pas de compensation aux autres. Il faisait preuve d'un comportement exemplaire envers ses femmes. Il laissait les filles des Ansar jouer avec Aïcha, et lorsqu'elles voulaient quelque chose qui ne renfermait pas d'interdit, il le lui accordait. Il posait sa tête dans son giron et lisait le Coran alors qu'elle était indisposée. Lorsqu'elle avait ses règles, il lui demandait de mettre un pagne et l'étreignait. Il embrassait ses épouses en état de jeûne. Il lui permettait de jouer. Ils firent une course à pied à deux reprises lorsqu'ils étaient en voyage. Une fois, ils jouèrent pour savoir qui sortirait le premier de la maison. Lorsqu'il revenait de voyage, il ne rentrait pas chez lui au beau milieu de la nuit. D'ailleurs, il interdisait cela.